Coucou à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour une recette de. Alors, d'une espèce de pain qui ressemble entre le pain et la fougasse. Ça s'appelle un focaccia. Voilà. J'ai trouvé cette recette, franchement, j'ai essayé la dernière fois avec des olives et des herbes de Provence. On m'a adoré. Parce que j'ai des pots d'olives qu'on avait achetés ben, pour faire l'apéro ou quoi qui traînaient, donc évidemment on les utilise. Et du coup, j'ai décidé de refaire cette recette. Donc, je voulais la faire avec vous pour vous expliquer. Alors, je vais vous montrer. Moi, je la fais à la machine à pain, parce que vous savez que j'ai la machine à pain. Mais après, vous pouvez très bien la faire à la main sans machine à pain. Il n'y a aucun souci. Enfin, voilà. Donc, vous aurez besoin de 500 g de farine, 30 centilitres d'eau, un sachet de levure boulangère, une cuillère à café de sel. Une cuillère à café de sucre, 2 cuillères à café d'huile d'olive et des épices, ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des olives, du romarin, je ne sais pas si vous avez du curry, nous on aime beaucoup le curry, le curcuma, les choses comme ça. Là, je vais faire aux graines. Alors, je vous montre, bon, c'est dans des anciens bocaux récupérés de bonbons. En fait, ici, on a des graines de courge, des graines d'épeautre, des. Comment ça s'appelle? Enfin, j'ai un mélange de graines comme ceci que j'utilise souvent pour mettre dans les pains. Donc voilà, c'est des mélanges de graines que j'achète et que enfin, j'utilise dans les gâteaux, le pain, voilà. Nous, on aime bien tout ce qui est graines, donc on a décidé de prendre graines. Donc on va commencer bah, tout simplement par prendre 300 ml d'eau à température ambiante. Et je vais vous dire de mettre tout de suite le sachet de levure dedans pour bah, réhydrater la levure en fait. Donc on est bien d'accord qu'on met de la levure boulangère et pas de la levure, comment dire. Et pas de la levure chimique. Voilà. Il faut bien mettre de la levure boulangère. Donc on remue un peu au besoin pour mélanger tout ça. Du coup, je vous passe sur mes mains et je vous retrouve dans 2 minutes. Donc je ne sais pas si c'est bon, vous voyez. Donc bah, alors j'ai mis ma levure là. Je vais essayer de la mélanger un petit peu pour que elle se réhydrate et que du coup les ferments commencent à agir. Voilà, ma levure elle est là, donc je vais la mettre là à côté. Et si j'ai pris un plat. Ah, je suis désolée. J'ai pris un plat avec ma balance alimentaire. Donc là, je vais venir mettre 500 g de farine dans mon plat. Pour l'instant, dans la cuve de ma machine à pain, j'ai rien mis. Si vous le faites comment dire, à la main, il faudra suivre l'ordre que je vous donnerai pour mettre dans la machine à pain. C'est-à-dire qu'il faut mettre d'abord le sel. Alors attendez, je pèse mes 500 grammes, ça sera plus facile parce que si je parle en même temps, je vais bien faire une bêtise. 480. 501. Donc voilà, j'ai mes 500 grammes. Donc en fait, je vais vous montrer, si vous le faites à la main, c'est pas grave, sauf qu'il faut la pétrir au moins un bon quart d'heure. Moi, j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Bon, voilà. J'ai les filles à la maison, on fait plein de choses, donc voilà. Donc je vais vous montrer dans la machine à pain. Alors il va falloir que je vous change d'endroit. Est-ce que si je vous mets là, vous me voyez? On va essayer de vous mettre. Ouais, vous allez voir la machine à pain normalement. Ouais, c'est bon, vous voyez la cuve de la machine à pain. Donc en fait, dans le plat, moi je le mets dans la machine à pain et je ne fais que le pétrissage. Je ne fais pas la cuisson, je fais la cuisson de toute façon au four. Donc si vous avez une machine à pain dans la machine à pain ou bien dans un plat, là vous allez mettre la cuillère à café de sel et la cuillère à café de sucre. Lucie, ah. Alors attendez, je récupère le sucre qui est sur la table derrière parce que les filles, elles vont faire un gâteau. Ensuite, on va venir mettre la farine. Pourquoi? Parce que comme ça évite que la levure soit en contact avec le sel direct pour les ferments, c'est pas très bon. Donc, il vaut mieux mettre dans cet ordre. Alors, ensuite, donc là, moi, je répartis bien parce que dans la machine à temps, voilà. Vérifie que mes pétrins soient bien en place aussi. Ensuite, on va venir mettre donc justement la levure qu'on a préhydratée. Alors, je remue bien pour essayer de récupérer tout ce qu'il y a au fond. Et là, je vais mettre 1 cuillère à soupe. Non, voici 1 cuillère à soupe d'huile. Voilà. Et là, donc ça, je vais le pétrir. Si je le pétris à la main pendant 15 à 20 minutes, il faut que ça fasse une boule un peu collante.
Une fois que c'est pétri, ensuite on y laisse reposer pendant 3 heures de temps avant de l'étaler. Donc bah là, je vais faire à la machine, je vais le laisser pétrir pendant 20 minutes. Normalement, je pense que je vais pouvoir, pétrissage pâte, je pense que je vais pouvoir le régler. Au pire, je l'éteins en cours de chemin, ça ne pose pas de problème avec cette machine. Donc, je le pétris pendant 15 minutes, voilà. 15 à 20 minutes, enfin moi je pense qu'au bout de 15 minutes la pâte sera bien. Je lève le couvercle et je vérifie souvent. Il faut que ça fasse une boule un peu collante. Ensuite on laisse pousser pendant 3 heures. Et ensuite on fera l'étape suivante. Donc là vous allez pétrir la pâte et la laisser pousser 3 heures et après on se retrouve. À tout de suite. Je vous reprends, j'ai oublié de vous dire, je vais mettre environ 60 grammes de graines. Donc moi je vais mettre 3 grosses cuillères à soupe. Sachant que selon ce que vous allez mettre, il faut peut-être pas en mettre autant en fait. Donc voilà. Donc là, je vais laisser pétrir un peu et je rajoute mes graines au fur et à mesure en fait. Moi, c'est ce que je vous disais, c'est une machine à pain qui peut s'ouvrir. C'est un très vieux modèle et franchement, je l'adore. C'est voilà, ça fait 12 ans que j'ai ma machine à pain et je pourrais pas m'en passer. Je fais toutes mes pâtes dedans. Toutes les pâtes à pain, les pâtes à pizza, les pâtes à brioche. Je fais même des brioches intégralement dedans. Je fais les pâtes à pâtes. Enfin voilà, vraiment c'est une machine que. C'est ma machine chouchoute, on va dire, dans la cuisine. Donc voilà. Bon, et ben à tout à l'heure. Recoucou à tous. Bon voilà, j'ai laissé mon pain gonfler. Alors moi je l'ai mis dans une casserole inox, il a gonflé complètement comme ça. Au début, ça faisait une petite boule comme ça au milieu. Et là, ça fait une boule énorme. Du coup, je vais fariner un peu mon plan de travail. Je vais vous montrer. Non, je sais pas, on va faire ça comme ça. Et là, je vais essayer de sortir toute ma pâte en fait. Voilà, bah ça colle un peu à la casserole, de toute façon, c'est une pâte qui colle un peu. Alors, je récupère bien sur les bords tout ce qui colle. En fait, il faut savoir que pour le faire gonfler, je l'ai mis dans la casserole parce que je l'ai mis au-dessus du four cet après-midi là. En fin d'après-midi, on a fait le gâteau et pour qu'il pousse mieux, il faut le mettre dans un endroit chaud, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc je le mets soit au-dessus du feu à bois dans le salon, soit je le mets au-dessus du four quand on a le four allumé pour qu'il pousse bien. Ensuite, voilà, voilà, on va bien l'aplatir partout. Sans se mettre de la farine partout, c'est mieux. Donc là, je vais essayer de l'aplatir. Je l'aplatis comme ça à la main, je l'aplatis pas du tout au rouleau. Alors attendez, on va prendre ça. Ouais, c'est ce qui me semblait, c'est un peu gros. Du coup, j'essaie de l'aplatir plus comme ça. En fait, moi, c'est qu'il faut que ça rentre sur la plaque de mon four. Et comme c'est un petit four, c'est pas toujours évident. Et en plus de ça gonfle encore à la cuisson. Vous allez voir que ça devient super gros. Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire juste des petits puits comme ça, un peu avec mes doigts. Sans percer la pâte. Je vais mettre un peu d'huile d'olive. Comme ça. Et là, ce que je vais faire, c'est que du coup, je vais étaler toute l'huile d'olive au pinceau sur la pâte. Et après, je vais enfourner pendant 15 minutes. À 220 degrés, four déjà préchauffé. Donc voilà, ben on se retrouve dans 15 minutes. À tout à l'heure. Je vous reprends juste 2 minutes, j'ai oublié de vous dire. Si vous avez du fromage, vous pouvez en mettre un peu. Et moi, j'ai du gruyère. Du coup, je vais mettre un peu de gruyère sur le dessus. Il va pas, enfin, comme on va le cuire que 15 minutes, le gruyère, il va pas vraiment fondre. Mais ça donne quand même un petit goût de fromage. Et franchement, c'est pas mauvais. Donc voilà, après, vous pouvez manger ça en pain. Pour faire des tartines ou même en apéro quoi, c'est super bon vraiment. Nous on adore en fait. Donc voilà, bah, j'espère que cette petite recette toute simple vous aura plu et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos de cuisine. Ah oui, je vous montre quand ça sort du four. Et ben à tout de suite. Alors voilà, ça fait 15 minutes que mon pain est cuit. Alors moi je l'ai mis un peu en hauteur pour qu'il dore un peu sur le dessus, parce que la dernière fois il était resté blanc. Mais mon four il fait pas du tout grill, donc voilà, si vous avez un four qui fait grill, ça sera mieux. Pousse tes mains. Envie de te brûler. Donc après on va essayer de le faire glisser délicatement. Est-ce que je vais y arriver? Je sais pas. Oui.
même pain tout chaud. Un bon pain tout chaud, ouais. On le coupe pour montrer l'intérieur. Ouais. Comme ça, ça brûle. Ah là, il est bien cuit, monsieur. Oh. Attendez. On va faire ça, hein, puisque là, on va se brûler. C'est bon? Donc, je vais le couper en deux pour vous montrer. À l'intérieur, il est comme ça, avec les graines et tout. Et franchement, nous, on adore, il est trop bon. Je vous dis, la dernière fois, j'ai fait avec des tomates, on peut faire, je pense, avec des... Non, j'ai fait avec des olives, je pense qu'on peut faire avec des tomates séchées, des poivrons, avec de l'oignon, ça doit être trop bon. Des lardons. Ouais, des lardons, enfin voilà. Ludo l'a décidé d'essayer au lardon, donc on vous dira s'il essaye au lardon ce que ça donne. Bon, quand on l'aura trouvé, hein. Ah ouais, on en a pas, c'est vrai. Bon, ben voilà. Un jour, on essayera avec les lardons, quand les lardons seront réapparus dans le magasin. Voilà. Donc voilà, ben allez, on vous souhaite bon appétit et à bientôt pour de nouveaux tutos recettes.